Ne laissez pas s'échapper. Je te colle au train, fumier. Le crochet est assez discret si on s'en sert correctement. Ce qui n'était pas vraiment le cas d'Erin. Par la bijouterie pour contourner les portes. Et puis, ce masque me fait de l'œil. Garde, appartement à l'étage, voler ce masque sera un jeu d'enfant. S'il a ça en vitrine, t'imagines ce qu'il a dans ses coffres. Je le hais, ce foutu piaf. Au moindre bruit, il se met à piquer une crise. Ces bijoux sont en verre. Enfin, on peut en tirer un bon prix en comptant sur la naïveté du client. Il est temps de sortir. Une fenêtre à l'étage suffira pour passer de l'autre côté.
Mon père se souvient de l'incendie de Shellbridge. C'est vraiment des séjours en pleine nuit avec les fermes. On va pas me faire repérer. Ou nuit en plein jour avec la fumée, je sais plus. J'ai lu qu'avant la naissance du baron, la cité... Tu rigoles ? Salut ça, toi ? Oh, je vous en prie ! Je vous en prie ! Oh, non, mais c'est pas vrai ! Vous êtes obligés de beugler ici ! Comme si on manquait pas déjà de sommeil ! Oh, désolé, madame ! Ordre du capitaine ! Il a dit, allez vous mettre sous la fenêtre de la bonne femme à Beach Market, celle qui a la tronche que même les grappilleurs la refoutraient à l'eau ! Et c'est ça, vraiment ! Je souhaite choper la grisaille ! Ça fera des vacances à tout le monde ! Fais gaffe ! Elle est partie chercher le pot de chambre ! De la loi martiale, tout le monde reste là. La ville est fermée, tête de mélasse. J'espère que c'est pas la grippe. On raconte que le vieux machin chose est mort de la grisaille. Qui ça ? Ah, il l'a bien mérité. Le baron aurait mieux fait de donner un discours avec cette histoire de bouclage. Les gens aiment bien les grands discours. C'était quand la dernière fois qu'on l'a aperçu ? T'habites sur le chemin d'Eastport, c'est ça ? Y a la grisaille là-bas ? Ouais. La rivière était recouverte de cadavres gonflés. On aurait dit... un breu gigant.